Bonjour à vous YouTube et bienvenue sur Minecraft. Vous vous souvenez la dernière fois, donc il s'est passé beaucoup de choses, etc. On était parti coloniser le Nether tranquillement. Là on est lundi, il est 16h, donc je lance le live et donc je vais continuer à travailler un petit peu là-dessus tranquillement. Problème, les pigmen sont aggro et je me fais attaquer dans tous les sens. Et je ne sais pas comment faire du coup. Parce qu'en fait, je me fais aggro dans tous les sens et c'est très relou. Donc je voulais. Putain, mais il y en a 50 millions. Non, qu'est-ce que ça? Voilà, j'ai récupéré une vieille épée en or que j'ai drop sur un des pigmen pour ne pas user mon épée qui me ferait très chier qu'elle pète. Bon, écoutez, je vais essayer de vous montrer rapidement ce que j'ai fait en offline, en essayant de ne pas me faire défoncer. Donc, vous voyez, en fait, ce que je voulais faire, donc mon objectif c'était de coloniser le Nether, enfin de coloniser le Nether. Pas forcément coloniser, mais on va dire juste m'y installer, voilà, tranquillement, pouvoir essayer de créer des... Oh, et c'est eux qui défoncent les portes. Mais quelle bande de putes. Oh, mais quelle bande de... Bon, bref. Du coup, voilà, donc je suis tranquillement là, et en fait, ce que j'ai fait en offline, c'est que j'ai essayé de créer une espèce de maison, un espèce d'appartement on va dire, en utilisant le Nether, puisque je veux continuer à utiliser le Nether, mais en y rajoutant en fait des structures qui vont venir solidifier la base on va dire. Et voilà, du coup voilà, j'ai fait un trou, ensuite je l'ai laissé naturellement comme ça. Oh non, mais ça va être trop le bordel, je vais faire def, je peux pas rester là. En vrai, je peux pas rester là les gens. Je veux juste vous montrer en fait rapidement, que ce soit pour montrer un peu ce que j'ai fait et tout, et pour montrer l'avancement. Mais le problème c'est que ça va être injouable quoi. Il y a des milliards de pigmen, moi je sais pas quoi faire. Bon, ça me fait l'expérience, vous aimez bien. Bref, j'essaie de vous montrer rapidement. Donc voilà, là j'ai fait une entrée et tout, tranquillement, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc là il a défoncé la porte, mais en fait là il y a une porte. J'ai fait une première salle ici. Pourquoi il est pas là? Bon bref, j'ai fait une première salle ici. Oh, il va défoncer la porte. J'ai fait une première salle ici, donc le salon et tout. Ici on a le début de la cuisine qui est ici. Bon, j'ai réussi à faire un frigo. Merci à Sam qui a montré comment faire. Et voilà, ici on commence à voir les premières pièces. Donc là j'avais posé du bois ici pour faire le premier parquet. Et là ensuite il n'y a pas grand chose. Donc là j'ai pas fini, mais en gros ici il y aura une espèce de salle de bain avec des toilettes ou une douche ici. Enfin voilà, donc j'avais prévu de faire. Voilà, c'est un petit studio, enfin un studio on va dire, plutôt un truc qui a plusieurs pièces. Voilà, et là il y avait la suite ici qui allait là. Je vais reposer là. Je vais reboucher ici. Voilà, mais voilà, du coup je savais pas trop encore comment aménager tout ça, sachant que l'aménagement dans Minecraft c'est assez chaud. Une douche dans le Nether, oui, une douche dans le Nether, oui. Bon bref, donc là c'était ce que je voulais faire aujourd'hui, donc je voulais continuer à faire ça, sauf que vu que tous les pigments sont aggro, et que c'est le bordel, je vous avoue que là, je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté, parce que voilà, je voulais travailler tranquillement dans mon Nether là, et là c'est le bordel. Salut Nono. Salut Yuxo, bienvenue. Voilà, donc je sais pas comment on fait pour faire en sorte que les pigmen n'attaquent plus. Moi on m'a dit que des fois si vous arriviez à tous les tuer dans une certaine zone, du coup ils spawnaient plus et voilà, vous aviez battu tous les pigmen et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un petit peu pour voir comment ça se passe. S'il y a toujours des pigmen qui viennent me faire chier ou pas, et on va quand même essayer de continuer à travailler dans ce Nether et à faire ce que j'aimerais faire, sachant que bon, ça me ferait un peu chier. Après, si je meurs, très clairement, si je meurs, bon, je reviendrai chercher mon stuff, c'est pas non plus très grave. C'est pour le principe, vous comprenez, ça m'énerve. Mon Under Chest est invisible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller voir. Je vais faire un tour, on a une conf Skype pour le serveur, etc. Et du coup je vais aller faire un tour de temps en temps pour savoir si les autres m'ont répondu. Parce que j'ai demandé en fait tout simplement s'il y avait un moyen de faire en sorte que le Nether ne soit plus horrible. Alors, ici on a dit qu'on... Oh putain, il m'a fait trop peur. Oh, il m'a fait trop peur. Ah
Ah, il m'a fait tellement peur, j'ai vraiment cru que c'était un pigman qui rushait sur moi et tout. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné une épée? Pas de pigman quand je suis arrivé. Ouais, mais je crois que je les ai tous défoncés. Je crois qu'il m'avait donné une épée en or. J'ai pas trop compris ce qu'il m'avait donné. Bref. Alors, ce que je veux faire là, je vais essayer de faire en fait un sol en quartz. Ah, il m'a donné du poulet, ah oui, merci. Pour faire une salle de bain, voilà, je trouve ça sympa. Alors, je vais essayer de pas toucher les murs. Donc, en fait, je vais essayer de ni toucher les murs ni le plafond pour laisser le. Pour laisser le nether en fait. Et que ce soit vraiment, en gros, un espace, enfin, vraiment un truc qui soit incrémenté dans le nether, un peu comme des maisons troglodytes, vous voyez. C'est-à-dire que les maisons troglodytes, la pierre forme les murs et le plafond du sol, et en fait, en pierre, enfin en bois, etc., vous rajoutez des contreforts, des piliers, etc. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire ici. Donc j'ai fait une entrée qui va se mettre dans la forme de la grotte du nether. Ici en fait il y a par exemple il y a un bout de bois qui est mis parce qu'il y avait un trou, donc j'ai comblé avec un bout de bois, j'ai pas recomblé avec de la nether arc. Là, je sais plus comment ça s'appelle, la roche du nether. Ah, il veut clairement mon cul. Hein. Ils veulent mon cul. Quoi, la lave ici, il y a de la lave ici apparemment. Ah. Voilà, donc où il y a tous les pigmen qui essaient de me défoncer. Donc ça me fait chier. Il faut que je récupère du quartz pour faire des blocs de quartz. Mais ça va être tellement relou aussi parce qu'en fait le problème c'est que. Ou alors ce que je veux faire, c'est que je vais récupérer de la neige. La neige, j'en ai plein. Il y a des témoins de Jéhovah pigmen à la porte. Alors attendez, de toute façon je vais retourner chez moi dans l'Overworld pour aller chercher de la neige. On verra bien. Je vais faire ça déjà. Parce que le quartz en fait le problème c'est que là dans la zone où on est du nether elle a été complètement vidée. Et trouver du quartz c'est quasi impossible. Ça servira bien à quelqu'un. Et du coup alors ce que je vais faire c'est que déjà je vais essayer de vider un peu mon inventaire. Donc je vais jeter un peu tout ce que... Je vais repartir d'une base solide. Oui, j'ai des coffres, je sais. Et du coup, voilà. Hop. Enfin, on va récupérer de la neige et puis on va faire des blocs de neige. Parce que les blocs de neige, c'est un peu comme... Enfin, c'est quasi pareil que le quartz. Donc ça fonctionnera pareil. Je veux juste un sol blanc, en fait. Et comme ma maison de base est dans un biome neige, je sais que j'ai un coffre avec plein de neige partout. Oui. Alors, on va mettre ça et ça. On va reprendre mon épée ici. Quoique je vais garder ça en fait. Je vais la garder elle parce que on sait jamais si jamais j'en croise d'autres pigmen. Je serais content d'avoir ça. Alors, tout ce qui est granit on va garder. Alors tout ce qui est porte. Alors truc mineur pour poser tout ça par exemple. Ah, j'ai des blocs de quartz ici, blocs de quartz sculpté. J'en ai 16. Bon, je vais le prendre. Ici j'ai du bois, de la terre, de la diorite, de la glace compactée, ça me sert à rien que je l'ai là. Je vais la remettre là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que je voulais récupérer déjà? Alors bidule fait en bois. Des portes. On va mettre ça là. Je voulais aussi planter des arbres. Donc ça j'ai récupéré des pousses, tout ça, de la dirt j'en ai dans mon inventaire. Bon là j'ai une selle, je sais pas trop pourquoi j'en ai une là. Hop. On va garder tout ça, parce que c'est des trucs qui vont me servir quand même. Hop. On va juste remettre tout bien. Attends, j'ai une porte ici. J'ai une porte en fer, je sais pas ce que je veux en faire d'ailleurs. Je vais la mettre là. Ok, bon, on va repartir. On va repartir dans le nether et on va. Ah non, je récupère de la neige quand même. Je sais qu'il y avait un coffre à neige. Là. Voilà, nickel. Voilà, super, ça suffira amplement. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir s'il y a pas moyen de récupérer qu'un quartz. Sachant que si les pigments sont aggro, c'est la merde. Parce que du coup. Ça va être un peu compliqué de partir à l'aventure.
Mais je ne pense pas qu'il reste beaucoup de quartz là où je suis. On va aller voir. Donc là, je vais passer mon portail. Et je vais arriver directement, eh bien, dans ma nouvelle maison. Enfin, mon nouvel endroit, on va dire. Voilà, exactement. Peut-être du quartz ici d'ailleurs. Non. Patata, j'ai pas l'impression. Ok. Je pense une pioche en fer. Je vais poser ces deux pioches là. Ah, c'est Alex Calagro qui a dit qu'il a... Merci. Merci, bro. De sacrifier ton épée pour moi. Voilà. Parce que moi, ce qui me faisait chier, alors est-ce qu'il m'attaque du coup? Je prends les épées en or. Ah oui, oui. Est-ce qu'il m'attaque? Tu m'attaques? Il m'attaque pas! Ok, super. Bon, bah, dégage de ma maison. Mais non, du coup, j'ai plein de visiteurs dans ma maison. Tiens, va taper Alex et laisse-moi. Allez. Ah merde! Putain, il a pété son écran. Voilà, merci. Ça, il a un truc là-bas. Alors attendez, salut à Piscap, bienvenue. Allez, va défoncer Alex et laissez-moi tranquille dans ma maison. Allez, allez-y. Merci. Pauvre Alex, je l'envoie tous les pigments de la terre. Est-ce que le serveur recrute? Alors le serveur ne recrute pas puisque c'est le serveur de la web TV DigiWeb, donc il est ouvert aux membres de la TV et à quelques viewers fidèles, on va dire. Mais nous ne sommes pas en phase de recrutement personnel. Enfin, on ne recrute pas. Deadcon vient de donner 836 euros. Je pense que je le saurai. Mais tu peux, hein. Au pire, ça marche. Donc voilà, ça fait comme si c'était du... C'est bien, ça me va très bien. Je suis content. En fait, il faudrait un truc qui ressemble à du carrelage ou un truc comme ça, mais je vois pas trop ce qui peut ressembler à du carrelage. Déjà, ça, je sais pas pourquoi c'est là. En fait, je cherche un truc qui pourrait faire comme une douche, mais je sais pas trop comment. Je suis un peu nul en construction. Enfin, je suis un peu nul en décoration d'ailleurs. Je suis un peu nul à tout d'ailleurs. Un levier baissé. Mais comment faire un levier? Un bâton et de la cocotte. Okay. Bon, déjà, je vais mettre une torche. Non! Tu casses pas les portes! Qu'est-ce qu'il est mal élevé, ce pigmen? C'est fou ça! C'est dingue ça! Direct, ils cassent les portes, les gens. Une herbe d'abido. Une herbe Valérie d'amido. Ouais, j'avoue. C'est ça. Hop! Alors. On va remettre des torches un peu. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte. Enfin, ça, c'est un truc que par exemple, je me rendais pas compte quand je jouais. Mais que le Nether est très mal éclairé en fait. En fait, quand tu mets une torche dans le Nether, tu te rends compte que bah. Eh, hey, c'est mieux, non? Alors, il nous faut des bâtons de la cobble. Je crois que j'en ai dans mon coffre. Non, 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 viens pas me taper. Dis-moi que Alex est encore l'aggro. Bon, attends, je vais me mettre dans le parc. Là. Mais Alex, au pire. Si tu pars. Parce que il va pas faire ça pendant 2 heures en fait. Mais il va pas taper des pigments pendant 2 heures quand même. Oh putain, il va se faire déf là. Non, ça va, il s'en sort. Ça c'est, il s'entraîne pour la baisser, c'est pour ça. Ah, donc je disais la cobble, j'ai plus de cobble. Ah si, carrément. Et bon, des bâtons, j'ai des planches. J'ai pas de projet, ma vie est nulle donc bon. Écoute, je vais pas te. Hein, voilà. Ah non, mais ça fait une pelle du coup. Faut que je mette dans l'autre sens, c'est ça. Levier. Ok. Ok. Apiscal vient de donner 1 million de baisers et plein d'amour. C'est pas pour ça que t'auras une promotion.
En fait, le problème, c'est que c'est pas symétrique. Donc, je vais. Hey, bienvenue sur la TV Minecraft, Corentin 29600. Bienvenue à toi. Ah oui, mais du coup, là, j'arrive. What? Il y a un autre. C'est marrant, ça. Bon, attendez. Hop. Alors, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ah, dommage. Voilà. Dommage, dommage. Ouf. Pop, pop, pop. Je réfléchis. Hein. Moi, la construction, ça fait 50. Hop. Toc, toc. Toc, toc. Toc. Bon. On va dire que c'est bien. Ça fait une très grande boucle. Ma foi. Mais au moins, comme ça. Alors, si je, du coup, je le mets là. Ah oui, très bien, très très bien. Ça c'est de la douche les amis, j'ai envie de vous dire. Ça c'est une sacrée grosse douche. Alors attendez, d'ailleurs ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc genre comme ça, je pense. Pour délimiter. Je sais pas si on peut faire un truc genre... Ouais. Ouais, c'est pas mal. Comme ça c'est pas mal. Comme ça en fait on a l'entrée ici de la douche. En mode si quelqu'un vient juste au lavabo et tout, il voit pas la personne, quoi que en fait c'est carrément dans l'entrée. Ils vont rentrer en fait, c'est un mec qui se douche ici. Il est peut-être direct dans l'entrée. Mais bref, Osef, de toute façon voilà. Et Alex qui est en train de défoncer tous les pigments du Nether. Ouais ok, bon c'est pas grave. On va dire que c'est bien. Ok, il faudrait que je fasse des lavabos, et pour faire un lavabo, il faut que je fasse des chaudrons. C'est ça, non? Faut que le chaudron, je mette de l'eau dedans. Je sais pas comment faire un chaudron. Déjà, il me faut du fer, c'est pour ça que j'en ai pas. Enfin, j'en ai chez moi, quoi. Mais... Bon. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de. J'ai ma cabane, c'est bon. Je vais voir ce qu'il a fait. Bon, bon courage, mon cher Alex. Bon courage. Ah non, je lui ai volé une épée. Tiens. Have fun. Du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va essayer de délimiter un peu les pièces, savoir ce qu'on va faire où. Donc là, j'avais dit que c'était un espèce de salon avec télé, etc. Enfin voilà, comme on voulait. Ici, on a déjà la cuisine. Donc ça, après, il faudra aller voir comment on la met en place, etc. Si vous avez des conseils ou quoi, je suis très mauvais, donc vous me dites. Ici, je sais pas encore ce qu'on fera. Ici, il y aura une chambre. Il y aura une chambre là, avec du coup la salle de bain qui sera ici. Et pourquoi pas faire un couloir qui lirait la salle de bain et la chambre, d'accord. Et ici ce qu'on pourrait faire, c'est soit une salle, à savoir une salle à manger par exemple, avec une table ou quoi que ce soit, et on pourrait ensuite ici faire un renfoncement ou là, ou mettre un possible escalier pour faire un, pourquoi pas un étage, voilà. À voir, il y a beaucoup de choses à faire en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti à l'aventure là. Alex il a fait genre ouais j'ai fait mon petite cabane pour défoncer les pigments, puis en fait finalement il est parti toutes les défoncer un par un. Enfin ça c'est vraiment relou par contre hein. Le fait que les pigments étaient aggro, je sais pas qui est-ce qui a fait ça sur le serveur, mais c'était vraiment la pire idée du monde quoi. Non c'est pas Captain, je sais pas qui c'est. Alors, bah écoutez, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de récupérer un peu de ressources type fer, etc. On va récupérer des seaux d'eau, on va faire un lit, enfin, on va récupérer un lit. Si je dors dans le Nether, ça sauvegarde. Je peux pas dormir dans le Nether. C'est pas dans l'Ender, ça fait exploser le lit. Ouais. Pareil. Je vais chercher du fer du coup. Faut que je regarde comment on craft un chaudron. Il faut que je récupère des seaux d'eau. Voilà. C'est quoi l'épée? L'IP c'est 53, 60, 32, 2 points, 234, 8, 8, 8, 8, 7, 7, Minerva est un bon gosse, 0,7.
C'est ça l'IP. J'espère que t'as noté. Oui. Hop hop hop. Alors le fer, le fer, le fer, le fer, le fer. Parfait, ce qu'on va faire. Lol. Si on va. Craft. Chaudron. Je n'ai jamais fait de chaudron de ma vie. Je sais pas du tout comment on fait ça. Mais je suis sûr que c'est très logique. Ok, c'est très logique. J'aime. J'aime. J'aime, 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 j'aime. Oh, pouf. Un chaudron. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va prendre quelques blocs de fer avec nous. Comme ça, on sera sûr. Lapis, or, diamant, émeraude, tout ça, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, je peux faire plein de nouveaux blocs. Enfin, plein de. Hop. Ah, j'avais du quartz là. Regardez, j'avais du quartz en fait. Ouais, ouais, ouais. Hop, il est là lui. Je réfléchis. On va prendre ça. Du fer, il me faut que je me fasse un seau d'eau. Quoi? Ah, mais c'est de la neige, ça, je suis con. Excusez-moi. Voilà. Le seau, on va le remplir. Et on le versera dans le chaudron pour faire un lavabo. Ah, c'est ça qu'il faut que je prenne. Faut que je prenne de la. En fait, je vais prendre de la glace. Je vais reprendre de la glace comme ça. De la glace sculptée pour faire des miroirs. Je vais aller farm du quartz, donc j'espère que je vais garder la. J'éclaire pas. Mais... Ah. J'ai écrit Z. Qu'est-ce qu'il a mis? Je vais aller farm du quartz, donc j'espère si je vais garder la. Donc je sais pas. Ah, je sais pas. Oh, excusez-moi, moi le langage SMS. Je maîtrise pas. De l'eau. Voilà. En fait, ce qui me fait chier, c'est que ce portail là n'est pas Link. Enfin, en fait, le portail du Nether est Link au portail du spawn. Donc, toujours obligé de. Obligé de refaire. Du coup, ça veut dire que les pigments vont m'aggro ou pas? Non. Je sais pas, bref. On verra. Si je me fais attaquer. J'en entends partout! C'est pas très rassurant. Est-ce que tu vas me taper ou pas? Non! Ah! C'est carrément que tu me tapes! Pourquoi? Non putain! Tellement relou, je vais pas pouvoir travailler tranquille. Je vais juste mettre un chaudron là et de l'eau. Voilà. Et là. Non mais ça va être trop relou. Voilà! Pardon, moi aussi. J'ai la grosse. Mais je veux dire, en fait, moi, le plus relou pour moi, c'est pas d'avoir la grosse en fait. C'est mon début. Des autistes en fait, les pigmen. Regardez-moi ça là! Ok, ils me font se battre. En fait, ok, c'est très bizarre hein, parce qu'il y en a un qui m'a tapé, mais lui non. Lui a décidé que ça allait. Finalement, j'étais son pote. Je comprends rien à jeu. Vraiment, je comprends rien à jeu. Bref. Salle de bain. Beau miroir. Ah, Minecraft, hein, toujours la décoration, c'est toujours quelque chose de ouf. C'est vraiment incroyable. Est-ce qu'on pourrait pas mettre du bois autour? Ah, c'est insupportable, fermez là. Ah! Putain. Regardez-moi ce bongolo là, qu'est-ce qu'il fait? Putain, c'était
tellement insupportable. J'en ai partout dans ma maison. Des squatteurs. Tiens, sors, vas-y. Va explorer le monde. Non, tu t'en fous. Regarde-moi ce débile là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller où? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant tu fais quoi? Tu vas où maintenant? Tu te sens pas un peu débile là? C'est insupportable! Le bruit des pigments, c'est insupportable! Captain Over, il est là. Allez, va chercher Captain Over. Va! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Y'a quoi là-dedans? Y'a quoi qui t'intéresse là-dedans en fait? Ah! Mais y'en a partout, on me sent trop malade hein. C'est insupportable. Bref. En fait, le truc, le problème, c'est que si je veux faire plusieurs choses, avec plusieurs. Genre, si par exemple je veux le faire là, faut que je retourne charger de l'eau à chaque fois et tout ça. Là par exemple, en fait, je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Je sais pas trop comment on peut faire des toilettes. Alors, comment on peut faire des toilettes? Il faudrait du. Ok, un truc à exploser. Il faudrait du quartz, par exemple. Mais j'ai tout posé. De la neige, tout. Il faudrait la cuvette. C'est juste insupportable. Il faudrait faire un truc comme ça. Plutôt comme ça en fait. Attendez. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, genre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Je viens calmer direct. D'accord. Fais donc ça, Jav. Les Jav, ils sont partout, ils sont dans les murs et tout. J'ai peur, Jav, viens m'aider. Mais t'es sérieux, j'en ai marre. Faut que je retourne encore à. Bon, je vais retourner dans l'overworld et je vais faire. Je vais chercher du bois et je vais chercher. Je vais refaire des. Enfin, je vais reprendre de l'eau avec mon seau. Tellement relou! Tellement relou! Tellement. Ça a bugué. Bon, Jav vient de défoncer des pigmen. Bon, bonne nouvelle, moi je vais couper du bois. Hein. ah si peut-être. Mais il me faut des pouces. De pourquoi ça tombe toujours sur moi. J'en ai marre. À chaque fois que je veux lancer un nouveau projet ou quoi, il y a toujours un truc qui nique. Comme ça, je vais récupérer des pousses pour faire des plantations d'arbres. Parce que je veux aussi planter des arbres dans le nether. Bon, les enfants, on va arrêter ce premier épisode ici pour YouTube. D'accord. Donc, j'espère que ça vous a plu. On n'a pas fait grand chose parce que bon, voilà. Mais voilà, on va faire un autre épisode rapidement pour voir comment ça va se. J'avais voulu cette histoire, d'accord. Et puis voilà, donc YouTube, des bisous, à la prochaine. J'espère que ça vous plaît, bien sûr. Ouais. N'hésitez pas à me le dire, hein, si ça vous plaît pas, vous me dites c'est de la grosse merde, arrête de jouer, et puis ça sera très bien. Hein, bisous, à plus tard.